Bonjour, monsieur l'abbé. Voilà. Et vous voilà. Mais j'ai encore un avantage sur vous. Vous ne savez pas qui je suis. L'ennemi. Je me nomme Corentin, chef de la police secrète du royaume. L'ombre, c'est notre domaine commun, n'est-ce pas? Et ceux qui travaillent dans l'ombre doivent se ressembler, forcément. Sans doute j'ai dû faire souvent ce que vous faites. Peut-être vous ferez un jour ce que je fais. Que voulez-vous? Vous. Ainsi, je vous en donne ma parole. Vous aurez l'absolution de tout votre passé. Je ne doute pas que la collaboration de deux puissances telles que vous ne serve à l'intérêt général. La morale, peut-être, y trouve moins son compte que l'efficacité. La société n'y regarde pas de si près. C'est un signe des temps que nous vivons. Donc, monsieur Vautrin, vous voici le collaborateur des chefs de la police secrète. Je pense que c'est là votre dernière incarnation. C'est beaucoup d'honneur pour moi. Un collaborateur de cette taille. Vous avez gagné. Cependant, je n'ai pas perdu. C'est une bataille coûteuse. J'ai perdu Peyrade, Contenson. Et vous? Lucien. Enfin, voici donc une position. Et le prix de cette transaction est la remise des trois correspondances. Je ne croyais pas avoir besoin de vous le dire. Voilà qui est dit. Tout est bien qui finit bien. Non. Non, ça ne finit pas bien.